Salut les amis! Et on est de retour! On repart pour un nouvel épisode d'Oxygène Not Include. Alors, la dernière fois, nous avions dit qu'on allait construire une cuisine par ici et mettre un système pour les toilettes et l'eau ici. Alors, on va lancer le jeu. C'est parti, c'est parti. Donc, ici, on va faire notre système de plantation. Alors, cuisine. Ici, il va nous falloir une échelle. Tac. Alors, pour la salle de bain, qu'est-ce qu'il nous faut? On a juste de quoi faire. Une pompe à eau. Voyons au niveau des recherches. Qu'est-ce qu'on avait en cours? Ok, ça c'est une très bonne chose. Pour la cuisine. Il y aura besoin du grill. Les tables, on s'en fiche. Les crackers. Ok. Et farm tile. Ça peut être pas mal, ça. Mais dans un premier temps, ça va être la sanitation. Une fois qu'on aura fini. Comme ça, on pourra faire de vraies toilettes et une douche. Ok, on continue. Alors. Ici, donc, la cuisine. D'abord, on va lancer toutes les plantations. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y en a encore un qui a pissé partout? C'est pas possible. C'est notre ami. Ok, nettoyez-moi tout ça. Ah, un job qui est fini? Non, pas encore. Ça viendra. Ok. Alors ça, on va attendre, hein, parce que pour l'instant, il n'est pas capable de nous faire des peintures, Grossman. On va attendre que ça s'améliore. Oula, on s'est trompé ici. On a mis un toilette. On va mettre. Hop. Un truc pour se laver les mains. Alors. Allez les amis, on construit, on construit. Donc ici, on est en train de transformer le gaz carbonique en oxygène. On peut le voir sur le layer de l'oxygène. On voit que le gaz carbonique est doucement remplacé par de l'oxygène qui monte. Alors après, on voit qu'il y a toujours du gaz qui descend. Vous voyez? Parce que le gaz est plus lourd. Alors recherche finie. On a dit qu'on allait faire. Hop, les toilettes et la douche. Alors, ce sont de vraies toilettes, ce ne sont pas des toilettes sèches comme on a ici. Donc là, pour l'instant, on va le mettre en priorité 4. Non, pourquoi en priorité 4? N'importe quoi. On va creuser ici. Voilà. Voilà. Donc ici, on va avoir notre cuisine et au-dessus, on va avoir nos toilettes. Là, les toilettes. L'échelle, elle va continuer. Alors, pourquoi je me mets aussi près? Parce que les toilettes, on va mettre du compost à côté des toilettes qui va nous permettre de fertiliser la terre. Ensuite, la cuisine ici, parce qu'on a l'eau et les futures graines pour faire à manger. On va optimiser les trajets, ce qui va nous permettre en fait de gagner du temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Pareil au-dessus. Hop! Enfin, on commence à avoir des vrais matériaux ici. Matériaux bien solides. Allez, on continue de construire. Alors.
Alors la nuit passe. Donc alors pour la cuisine, de quoi on va avoir besoin? Alors, food. On va commencer par faire deux microbe mushers. Voilà. On remplacera peut-être à terme par des grilles. Ou on mettra les grilles à côté. Au-dessus, on va faire, on a dit, nos toilettes. Alors, refinement, on va mettre deux composts ici. Il nous faut un lave-main ici, forcément. Et deux toilettes. Alors, ça va pas le faire. Il va falloir qu'on mette un autre lave-main ici, si on met deux toilettes. Pour que si deux personnes vont pisser en même temps. Hop! Encore! Qui c'est qui a pissé comme ça? Oh, mais je comprends pas. Il y a une toilette qui est hors d'usage, mais il y en a un où il n'y a personne. Bon, ça va s'arranger. Et en plus, c'est en train de nous polluer notre eau, là. Dégueulasse. Alors. Donc, compost, ok. On va avoir accès avec l'échelle. Ça nous permet de fertiliser. On va mettre un petit coup de boost à tout ça. Tac. Recherche terminée. Alors, ensuite, ventilation, c'est sûr, on va en avoir besoin. Alors là, on va choisir une graine et hop. Qu'est-ce qu'on a pour l'instant? On va choisir pour l'instant le Millwood Seed qui va nous permettre de construire des galettes un peu meilleures que celles de la boue. On va mettre ça en priorité. 6. Il va falloir qu'on fasse un jardinier d'ailleurs. On va copier le setting. Et on va faire ça partout. Alors, pour pouvoir faire planter pousser des plantes correctement, il y a plusieurs choses. Encore quelqu'un qui a pissé partout. C'est pas possible. Là-haut. Non, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi ils vont pas aux toilettes? Alors, les toilettes, on va les mettre en priorité plus haute. Il y en a marre de pourrir notre flotte. Ici, il faut qu'on nettoie. La vache. Et les mecs, ils pissent 1 milliard de litres à peu près. Hop, vous allez me nettoyer tout ça aussi. Les bouteilles d'eau polluée, je veux pas les voir ici. Encore! Il y a un problème. Il y a un problème avec les toilettes. Bon, c'est pas grave. Ça va se régler bientôt, on va en avoir de nouveaux ici. Et un nouveau colon, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, farming c'est pas mal. Il pourrait le mettre à s'occuper. Alors, il a des problèmes de boyaux, il fait des flatulences. Ça c'est emmerdant les flatulences. Parce que s'il fait ça dans la nuit, il va empêcher les autres de dormir. Mais on veut quelqu'un qui soit bon en farming, alors ça sera peut-être lui le meilleur. Ah! Ça peut être pas mal, Squeamish. Ok, lui, il peut tomber facilement malade. Et alors, on va prendre Ruby. Et on va essayer d'en faire un fermier. Alors, on va dans les boulots. Et Ruby. Farm end. Ah, mais j'en ai déjà un. Ok, alors Ruby, heureusement que je l'ai pris en polyvalent. Il va transporter. Est-ce qu'il était bon là-dedans? J'ai même pas fait gaffe. Je suis un peu trop vite. Oui, il est très bon. Il va s'occuper de transporter tout ce qui est arrangé. Alors, on va en faire. Pardon, on va en faire sa priorité. Tac. Alors, il est où Ruby? Là. Donc, Cook, Research, Operate.
Toggle. Non. Storage. Ça va être une de ses priorités. Hop. Supply aussi. Ok. Par contre, pour le ranch farm. Ouais, c'est bon. On continue. Alors. Donc là, on a lancé ça. Ici, ça construit. L'oxygène, qu'est-ce que ça donne? Pour l'instant, elle est très bonne. Il nous reste 5 tonnes d'algues. Pour l'instant, on est bon. Il y a un moment, il va falloir qu'on produise de la vraie oxygène par rapport à des sources, mais tant qu'on n'en a pas trouvé, pour l'instant, il n'y a rien. Encore quelqu'un qui a pissé à côté, j'y crois pas. Est-ce que c'est parce que... J'aurais enlevé les opportunités d'aller aux toilettes. L'art, la recherche, c'est les seules choses que j'ai désactivées. Non. Normalement, il devrait y aller. Bon. Alors, tous nos lits sont occupés maintenant. Donc il va falloir que bientôt on agrandisse pour faire des nouvelles chambres. Enfin, le premier boulot est réussi. Donc, 100%. Donc là, on va lui attribuer. Alors, c'est Harry. Il va apprendre ça. Nickel. Est-ce qu'on en a d'autres qui sont pas loin? La recherche. Cool. Ok. Allez. On veut finir ça. Donc là, on a nos plantations qui vont commencer à grandir. Alors, qu'est-ce que l'on va avoir? On va pouvoir les fertiliser. Pour l'instant, elles ont l'air d'avoir tout ce qu'il leur faut. Ça, c'est cool. Encore des problèmes. Je ne comprends pas à quel point ils pissent de partout. On nettoie ça. Parce que sinon, ils vont marcher là-dedans. Et ils vont être stressés. Et alors, on voit que notre niveau de stress commence à augmenter petit à petit. Ça va polluer encore une fois notre eau. Ça, c'est de la merde. Ok, alors, on leur a demandé de tout nettoyer. Ce qu'il faut, c'est qu'ils me finissent. Là, les toilettes sont priorité 9. Allez, on se met au boulot. On nettoie tout ça et on finit de fabriquer les toilettes. On a notre mineur, vous voyez, qui arrive à l'abyssalite. Ça, c'est un matériau qui est super. Il est très solide. Il résiste à beaucoup de température et de chaleur. Ce qui va nous être très pratique lorsqu'on va vouloir faire des endroits où jeter l'eau polluée, où on va être près des sources chaudes, des sources froides et tout ça, pour contenir justement ces températures et que notre base reste à des températures correctes. Allez, on continue à construire. Recherche terminée. Alors, est-ce qu'on a fait toutes les recherches de base? Oui. Ensuite, on a la cuisine. La combustion, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. L'automation. Ok, ça c'est quelque chose que j'ai jamais utilisé. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Faire de la céramique et produire du sable. Ok. On peut essayer ça. Ce qui serait cool. Filtration, c'est pour filtrer tout ce qui est gaz et liquide. Ça, c'est génial. Ça va nous permettre de construire des... De commencer à construire des trucs vraiment cool. On va faire l'automation parce que je sais pas comment ça marche. Et on va le découvrir ensemble. Alors, allez, on nous fabrique tout ça là, on se dépêche. Et pour l'instant, on n'a pas beaucoup de colons. Dans combien de cycles le prochain arrive? 2,4. Bon, pour l'instant, on a encore un peu de marge. J'aimerais bien finir tout ça avant d'attaquer des nouvelles constructions. Au moins les toilettes, qu'ils arrêtent de pisser partout. Ce qui serait pas mal. On a bientôt quelqu'un qui va devoir aller à la table de massage.
Et ici, par contre, c'est pas très efficace. Ah, mais parce que pour l'instant, ils ont d'autres priorités. Ok. Nos coffres sont bientôt pleins. Après, on pourra attaquer ceux-là. Alors, on va finir. La cuisine. Alors, d'ailleurs, il va nous falloir de l'électricité. On en a là-bas. Ici, on va mettre tout ce qui est toilette et douche. L'électricité, il va nous en falloir plus. On va en mettre un de plus. Il va nous falloir un coureur supplémentaire, bien sûr. Voilà. Et les batteries. On va en faire des plus grosses. On va pouvoir en mettre une, deux, trois. Et on va pouvoir stocker beaucoup plus d'électricité. Mais d'abord... Bon, ils sont en train de tout nettoyer, là. C'est un boulot à faire. Une fois que ce sera fait, on sera tranquille, ils vont pouvoir continuer. Ça va être plutôt cool. On voit que le stress continue à monter. Parce que là, en ce moment, ils travaillent sans oxygène. On peut voir qu'ils sont tous en apnée. J'adore les graphismes de ce jeu. Ils sont tous en apnée. Donc, c'est compliqué. Ils meurent de faim. Non, mais est-ce qu'il faut à manger? Enfin, ça dépend. Muckroot. Alors, voyons. Le muckroot. Ah, ils n'ont pas le droit de le manger, le muckroot. Donc forcément, ils ont faim. Ok. Allez-y, mangez-en. Oula, oui, vous avez faim. Presque 10 000 calories disparues. Ah, il va être temps qu'on finisse la nouvelle cuisine. Et comme ça, celle-ci, on pourra la détruire. On verra peut-être à transférer l'eau qui est ici en creusant. Si on creuse, l'eau va tomber. Elle va tomber ici. Ouais, c'est peut-être une mauvaise idée. De toute façon, la cuisine, elle va être de nouveau déplacée lorsqu'on trouvera une source d'eau. Je pense. On verra à terme. Alors. Recherche complète. Déjà? Ah non. Allez. On se dépêche, les amis. Allez, on récupère tout ça, on range tout dans les coffres. Alors, est-ce qu'on peut regarder la recherche sans les arrêter? Non. On va avoir un paquet de trucs intéressants. Il y a beaucoup de choses que j'ai jamais vues, même si j'ai passé beaucoup de temps sur ce jeu. J'y ai pas joué depuis au moins 3 upgrades. Donc on va découvrir plein de choses, c'est génial. Ne serait-ce que ça. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Un Draco. C'est un lézard... un lézard laineux. Le gecko laineux. Alors, il fait des œufs, ok. Qui vont nous permettre de débloquer certaines nourritures. Il n'a pas de germes. Ok. Qu'est-ce qu'il a d'autre d'intéressant, le Draco? Il a des lunettes ou quoi? J'adore. Ok. On peut en faire un élevage. Ça, c'est cool. Il mange du millwood. Ouais. Le pepper plant. Et le balmilili. Et il produit de la phosphorine. Alors, ça, par contre, phosphorite. Ça, par contre, c'est... Ah non, qu'est-ce que c'est? La phosphorite liquide. Ok. C'est un métal qui contient un minéral, qui contient du phosphate. On verra quelle est l'utilité plus tard. Pour l'instant, il faut qu'on essaye de se stabiliser au niveau nourriture. Au niveau de la propreté et de la, des décors de la base. D'ailleurs, il y a un nouveau boulot qui a été masterisé. Recherche assistante. Ok. Alors Mima, on va faire de la scientifique. On va en faire une scientifique. Alors promotion, to the scientist position, further increase the duplicate research ability. Ok, il va pouvoir être meilleur dans les recherches. Plus 2 en apprentissage. Oups. Il est capable de faire du supercomputer research. Donc de la recherche sur le super ordinateur.
Ok. Ok. Ça, c'est cool. Allez, Mima. C'est parti. Ce que j'aimerais surtout, c'est que Grossman devienne meilleur. C'est un peu long. Ok. Ok. Bon, on continue. Alors ici, ça pousse. Bon, alors, ils s'en sortent avec ce nettoyage. Ouais, ils construisent. Allez, c'est parti. Ok. Ils ont encore pissé partout. On a des colons, c'est des gros dégueulasses. Il y en a deux qui l'ont fait. Où est-ce que c'est le deuxième? Non. Recherche terminée. Ok. Gestion de la pression. Un truc pour fabriquer de l'air. Donc l'électrolyseur, il fabrique de l'oxygène avec de l'eau. Et celui-ci, il retire le carbone de l'air. Donc ça nous permettrait par exemple de filtrer le carbone qui est en bas. Et il transforme ça en eau polluée. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a les filtres. Oups. Alors. De toute façon, on va tous les faire. Ah, celui-ci pour la cuisine, c'est clair. C'est parti. Allez, construisez-moi tout ça. Alors. Problème d'oxygène? Non, tout va bien, l'oxygène. On nous dit qu'on a un souci d'oxygène. Qu'on n'en génère pas assez. Mais tout va bien. Oups. Allez, alors les deux lave-mains, les deux toilettes, ça se construit, ça se précise. Donc là, il va falloir aussi qu'on pense à raccorder tout ça à l'électricité. Ah, on a des interrupteurs, ça c'est cool. Power shut off. Power on or off using automation technology. Ok. Mais alors, quel va être l'intérêt? Oui, c'est un interrupteur qui coupe. Ouais. Quelle est la différence? Connect building to power source. Ok. Alors ça c'est... Alors, hein, effect max power. Ouais. Celui-là. Ouais. Je vois pas la différence en fait entre ça et un switch. Turn power. Ça en fait, on va pouvoir le mettre sur un câble qui alimente toute une partie pour pouvoir couper via un interrupteur. Power shut off. Ah ok, c'est un inter... Sur le switch, il faut aller le faire à la main. Celui-ci, on va pouvoir le régler. Ce qui va être pas mal. Ok, c'est vraiment intéressant. On essaiera plus tard de brancher par exemple les producteurs d'oxygène avec des interrupteurs qui se coupent automatiquement quand le niveau de pression est suffisant pour éviter d'utiliser des ressources inutilement. En attendant, on va vouloir connecter ça au réseau électrique. Non. Je sais pas si ça va les prendre en 8. On va faire comme ça. Et comme ça. Une fois qu'ils auront branché ça, on pourra déconstruire ce qu'on a là-haut. Ça. Direction to right. Ok. Avec une priorité 7 pour qu'il y ait toujours de l'eau pour se laver les mains. Il y en a encore un qui a pissé quelque part. Ah non, food. Ouh. Ouais, mais c'est bon, il est en train de nous faire à manger là-haut. Ouais, on a encore de la nourriture. Pas beaucoup, mais on en a encore. Il faut qu'il nous finisse ce coin. Absolument. Ok. Tac. Tac. Une fois qu'ils nous auront fini ce coin,
On va pouvoir déconstruire l'autre et on aura deux microbes mushers pour la nourriture. Alors, ici les plantes, elles en sont 81%. On n'est pas encore sur le point d'avoir de quoi faire des galettes. Quand on en aura suffisamment, ça devrait aller mieux. Allez. Ok, allez, ça avance, c'est cool. On construit tout ça. Lui. On va faire des mushbears. Des galettes de boue. Ce qui leur file à tous la chiasse. Priorité 7 pour la nourriture. Même là, on va le passer en 8. Parce qu'on a des problèmes de nourriture. Et celui qui est là-haut, on va pouvoir le déconstruire. C'est X, je crois, oui. Ok. Ça, on le déconstruit aussi. On n'a plus besoin de tout ça. Par contre, hop. Il nous faut de l'eau ici. Ok, on est reparti. Ça, c'est cool. Donc ça, c'est fait. On a le compost qui s'est mis en route. Oula, celui-là, on l'a mis dans le mauvais sens. Ok. On va pouvoir continuer. Donc ici, on a dit qu'on voulait de quoi faire une salle de bain. Alors pour ça, il va nous falloir une pompe. Donc on va voir d'abord si on met des toilettes ici. Deux toilettes. Deux douches. Ok. Alors, va falloir qu'on fasse tout le système d'alimentation. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que l'eau usagée des douches. Je ne sais pas si ça va marcher. On va essayer. Donc, ce qui sort des douches. On va partir par là. On va passer. Alors, on va arriver par là. Donc là, ça va être les eaux usées. Comment on va faire ça? Il faudrait pour bien faire qu'en fait les eaux usées des douches alimentent peut-être les toilettes en eau. Ce qui serait pas mal. Ce qui nous ferait économiser pas mal de flotte. On va essayer. Je sais pas si ça marchait passé un temps. Je sais pas si ça marchera toujours. Oups. Alors, hop. Plumbing. Ok. Ok. Ça c'est cool. Ensuite, les eaux usées, on va balancer ça. On va balancer ça où pour l'instant? Va falloir qu'on commence à se faire un réservoir d'eau usée. Puis on va creuser ici. Ouais, ça peut être pas mal. Tant pis, on va mélanger l'eau normale et l'eau usée. Alors, pardon. Hop. Donc, ici, il faut qu'on fasse rentrer l'eau. Là. Je sais pas si ça va marcher comme ça. Ok. Ici, il faut qu'on continue l'échelle jusqu'en bas. Ici, il faut qu'on vienne. Hop. Là, on va mettre une pompe. Il va falloir aussi l'alimenter en électricité. Alors, hop, wire. Oups, je suis allé trop loin. Mince, qu'est-ce que j'ai éliminé? Non. Ah non, ça va.
Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas assez de ressources. Ah. En creusant ici, on devrait en avoir un petit peu. Donc ils vont nous construire ça. Il va nous manquer. Donc il nous manque du cuivre pour le faire. Mais par contre, ici, les sorties des toilettes, on va faire comme ça. Comme ça. Alors par où on va passer par en dessous? On va essayer de passer par en dessous. Là. Et le liquide vente, on peut pas encore. Y a pas que ce matériau-là. On n'a pas de métal. Non, on n'a pas de métal. Ok. C'est un premier début. On a un nouveau colon et on n'a pas de lit pour lui. Bon. Alors, qu'est-ce qui va nous intéresser? Un deuxième cuisinier. Ça, c'est une bonne idée. Ou quelqu'un pour faire de l'électricité? On va prendre un deuxième cuisinier. Ce qui est cool. Ok. Donc ça va, il n'a pas spécialement de mauvais côté. Pas méchant. Ok. Eh ben on a fait une belle avancée. On a fabriqué notre cuisine. On commence à avoir nos premières récoltes qui arrivent. Alors, avant d'oublier, on va leur dire de ne pas les manger. On s'est déjà fait. Combien on en a de ces graines? 1000 wood seed, 4. Donc on n'a pas de quoi encore fabriquer. Mais après, on va pouvoir faire des lice loaf avec ça. Donc il va nous falloir de l'eau et du mille lice. Le mille lice, vous pouvez voir que pour l'instant, on n'en a pas encore. Il est où? Cooking ingredient. Ok. Il est là. Mille lice. Donc ça viendra plus tard. Donc là, on va commencer à se faire un gros réservoir pour jeter l'eau polluée. Qu'on va se servir plus tard. On va même le fermer, je pense. Histoire de ne pas avoir d'oxygène pollué qui monte dans la base pour l'instant. Et on va s'en servir plus tard pour fabriquer des ressources autres grâce à l'air pollué que ça va générer et filtrer l'eau polluée. Dans un premier temps, on va essayer de mettre en place ce système. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé l'épisode. N'hésitez pas à sauter sur les pouces bleus et sur l'abonnement. J'espère que ça vous plaît. Un petit commentaire pour me dire vers quelle direction vous voulez qu'on aille. Merci les amis. Que la force soit avec vous. À la prochaine. Ciao.